Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Voilà, on va attendre quelques minutes le temps que les participants arrivent tout doucement. Donc voilà, bienvenue et merci à tous, à toutes d'être là. On commence dans un petit moment. Oui, bienvenue à tous. On sent que la marée monte. La marée monte, il est 14 heures et nous allons entendre que vous arriviez tous. Voilà, le chiffre monte. Vous êtes quasiment 200 à vous être inscrit à ce webinaire.
Bonjour à toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Je fais un test parce qu'il y a une personne qui a dit qu'elle ne nous entendait pas. Donc voilà, j'essaye pour voir. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez ou non. C'est le moment avant qu'on commence, sinon après c'est un petit peu dommage. Merci. Ah, très bien. Bon, là, on m'entend. Super. Bon, je dis rien jusqu'à ce qu'on me donne la parole, hein. Soyez tranquille. Mais nous sommes des grands garçons numériques tous maintenant dans cette aventure. Exact. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Cédric Borel, le directeur de l'Institut français pour la performance du bâtiment et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet fondamental qui est la performance d'usage des bâtiments, la productivité vécue par les organisations dans les grands bâtiments tertiaires et finalement la capacité des bâtiments à atteindre l'objet, la destination pour lesquelles ils ont été faits, c'est-à-dire d'héberger et de favoriser les entreprises dans leur process, dans leur vie quotidienne. Alors l'IFPEB, c'est l'Institut français pour la performance du bâtiment. Vous nous connaissez sur la performance énergétique, sur le bas carbone, l'économie circulaire et tout un ensemble de valeurs qui font la transition énergétique et la transition environnementale de notre profession avec cette pente agressive qui nous mène à une stratégie bas carbone, qui nous mène en 2050 à des émissions nulles de CO2 et une drastique révision de nos modes de construction pour réussir à atteindre cette protection de la planète qu'on souhaite faire. Ça, c'est une histoire technique, c'est une vraie histoire technique, et en face de cette histoire technique, il faut mettre une histoire d'homme, une histoire d'organisation, l'histoire de toutes les organisations qui sont hébergées par tous ces équipements et ces bâtiments que nous mettons en œuvre. Et il ne faut pas que les transitions, que les 30 années qui viennent, mais dès maintenant, que ces transitions s'opposent. Il faut absolument qu'on embarque les personnes, l'ensemble des gens qui sont attachés et qui travaillent et qui se retrouvent dans ces bâtiments, vivent une histoire positive dans cette transformation vers le monde bas carbone de demain. On sort bien sûr d'une terrible crise sanitaire qui va bouleverser, on en est convaincu, pendant les années qui viennent, la manière dont les directions immobilières se pensent, occupent leurs bâtiments, travaillent. Et plus que jamais, la question de la valeur d'usage des bâtiments, de leur supplément d'âme et de leur contribution aux organisations qui sont hébergées est posée. Et c'est un sujet sur lequel nous étions à l'IFPEB un peu aveugles parce que nous avons beaucoup de travaux, d'analyses. Vous connaissez le concours CUBE 2020, dans lequel on a une histoire purement énergétique, mais qui est aussi une histoire technique d'économie d'énergie, en face desquelles les directions immobilières ou les joueurs, les candidats de ce concours écrivent une histoire humaine de réappropriation des lieux, de transcendance finalement des limites qu'il y avait sur les bâtiments qu'ils occupaient, et on voit bien une tentative de réconcilier les deux polarités que sont les gens et la technique. On voyait cette histoire s'écrire, on le voyait dans le CUBE 2020 avec des résultats parfois extraordinaires,
dans lequel on a raccordé finalement l'entreprise, l'organisation à son bâtiment pour produire des effets très positifs que nous n'avons constatés que dans la simple mesure de l'efficacité énergétique et du carbone. Mais on a bien touché du doigt le fait qu'il y avait des univers qui étaient propices effectivement à héberger justement les activités et d'autres qui l'étaient moins, et la lutte des directions immobilières pour réussir à favoriser justement l'épanouissement et le bien-être des collaborateurs. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter ce premier jour d'une alliance avec Goodwill Management, avec Alain Fustek que je salue, avec toute son équipe, parce que Goodwill Management a eu cette conscience extraordinaire avec un groupe de fondateurs de se poser la question de l'instrument de mesure de la valeur d'usage pour avoir enfin une mesure sur le sujet. On a des mesures très précises sur les coûts. Il n'y a pas un euro qui échappe à quelqu'un. La comptabilité analytique est là pour ça. Le carbone ne nous échappe pas non plus. On commence à avoir de plus en plus d'instruments pour le faire. Les grandes valeurs d'occupation de l'immobilier, des grandes valeurs que suivent les directions immobilières sur les occupations, sur les taux d'occupation, sur en fait l'activité, la mesure d'activité, sont aussi des choses qui sont parfaitement mappées et qui peuvent être regardées par un certain nombre d'entre vous. En revanche, pour ce qui est de ce supplément d'âme et de cette contribution de l'immobilier à la performance de l'organisation en général, il n'y a pas d'instrument. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous étions à l'aveugle et le premier jour où, grâce à l'alliance que nous faisons avec Goodwill, nous pouvons vous proposer de concilier la transition énergétique et environnementale avec un vrai progrès sur la valeur d'usage des bâtiments dans un monde où toutes les cartes, je l'ai dit, sont en train d'être rejouées. Donc, on est ravis, la temporalité est juste extraordinaire pour se poser maintenant les vraies questions et avec un instrument dont vous aurez les tenants et aboutissants dans cette journée. Je remercie tous les intervenants et je remercie pour les analyses passionnantes qui vont vous être présentées. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci Cédric. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Christophe Rodriguez, je suis directeur adjoint à l'IFPEB. Vous l'avez compris, nous allons passer ensemble une heure et demie à parler de bien-être, à parler de confort. Nous allons parler de valeur d'usage, cette valeur immatérielle de l'immobilier tant importante. Donc, nous vous proposons le programme suivant. Formidable. Nous commencerons tout d'abord, Alain Fustek de Goodwill Management vous parlera valeur d'usage, les enjeux associés, les indicateurs et tous les éléments qui vont nous permettre de toucher du doigt l'importance, l'essentialité de la valeur d'usage et comment la mesurer. Et nous parlerons des outils Vibeo qui vont nous aider à travailler, à animer ce groupe de réflexion que nous vous proposons. Nous aurons ensuite, dans un second temps, deux témoignages. Le premier témoignage de Magali Saint-Donat, d'EDF, qui nous parlera de la valeur d'usage, des enjeux, notamment dans un contexte post-Covid plein d'incertitudes. Puis un témoignage de Chorus, avec Nicolas Noir et Sébastien Delot, qui nous parleront à leur tour des enjeux de la valeur d'usage et comment la valeur d'usage est un outil concret de conception dans leurs travaux quotidiens. Nous échangerons ensuite sur le Hub Vibeo que nous vous proposons aujourd'hui de rejoindre, qui est un grand groupe de réflexion. Nous allons construire ensemble de façon collective des outils concrets pour mesurer la valeur d'usage et pour alimenter nos réflexions quotidiennes dans le monde de l'immobilier et la construction. Et enfin, évidemment, nous serons à l'écoute de vos questions. Nous attaquons tout de suite et je laisse la parole à Alain Fustek. Alain, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Cédric. Donc moi je suis très très heureux d'avoir l'opportunité d'échanger avec tout le monde cet après-midi. Et je vais effectivement vous parler du modèle qui permet d'établir la valeur d'usage. Et vous allez voir qu'on peut le calculer avec des notations, mais aussi avec des euros. Alors, juste avant de commencer, vous voyez sur cette première page qu'il y a un certain nombre de logos. En fait, je représente en tant que président de Goodwill un groupe de travail qui a commencé ses travaux il y a très longtemps, il y a 10 ans, avec quelques-unes des entreprises que vous avez sous les yeux. Et puis, petit à petit, ce groupe de travail a grandi.
Et puis, il s'est étoffé avec, ben, avec tout le monde, tous ceux qui sont là, donc que je représente, puisque à l'origine, j'étais un petit peu l'initiateur du truc. Et puis, ben donc depuis, objectivement, hein, depuis 10 ans, on travaille sur la valeur d'usage et le groupe s'est constitué et s'est donné le nom que vous lui connaissez aujourd'hui, Vibeo, il y a 5 ans. Voilà. Alors, au bout d'un moment, on s'est dit comment est-ce qu'on développe au sein de Vibeo, comment est-ce qu'on poursuit notre travail. Et puis, bah, comme c'est souvent le cas, hein, il y a des rencontres dans la vie, donc la rencontre avec Cédric. Et puis, ça a fait des étincelles et ça a très, très bien matché entre nous et puis avec tout le groupe que je représente. Et donc en fait, nous avons décidé de nous rapprocher de l'IFPEB. Donc, j'en ai longuement parlé avec tous les fondateurs que vous voyez là. Et donc, on s'est dit que c'était très intéressant d'avoir finalement, grâce à l'IFPEB, une beaucoup plus grande caisse de résonance pour faire valoir ces sujets. Alors que c'est très important, c'est ce sur quoi je vais venir maintenant, notre modèle avait atteint un bon niveau de maturité. Voilà. Donc, Christophe, si tu peux passer la page suivante. Puisque c'est pas moi qui commande. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que c'est que la valeur d'usage? Eh bien, en définitive, vous pouvez qualifier ça. Vous voyez en haut de cette page, la valeur d'usage d'un immeuble de bureau, c'est son intérêt extra-financier et financier pour l'occupant. Donc, quand on s'intéresse à la valeur d'usage, on s'intéresse aux gens qui sont dedans et non pas aux propriétaires, en tout cas dans un premier temps. Après, on peut voir que c'est très intéressant aussi pour la foncière ou pour le propriétaire, et pour toutes les parties prenantes de l'immeuble, mais la première cible de cette notion, c'est l'occupant. Voilà. L'intérêt extra-financier, on va en parler tout de suite, on l'évalue comme tout le monde avec des cotations, c'est-à-dire on cote. Alors qu'on cote ça une note sur 20, c'est ce qu'on fait, ou bien avec des triple A et des triple C, ça change pas grand chose, ou avec des petites étoiles, mais en tout cas on cote le confort, la santé, le caractère plus ou moins vert du bâtiment, etc., etc. Voilà. Jusque là, je dirais, on n'est pas les seuls à le faire, et c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Mais quand on commence à s'intéresser à l'intérêt financier pour l'occupant d'être dans un immeuble de bureau plutôt que dans un autre, j'ai envie de vous dire que ça se corse un petit peu. Alors en fait, là, il y a une partie finalement qui reste relativement simple. En quoi la performance environnementale de l'immeuble et sa performance technique sont de nature à représenter une valeur d'usage? Bah, tout simplement parce que si vous êtes dans un immeuble qui consomme pas d'énergie, bah, vous n'avez pas de facture énergétique à payer. Et donc tous les coûts d'exploitation que vous voyez en bas à droite de cette page sont partie prenante, partie intégrante de la valeur d'usage. Et j'ai envie de dire de nouveau que ça, tout le monde sait le faire. Et nous, on a exploré une autre voie, sans dire pour autant qu'on ignorait les précédentes, qui est de se demander si finalement le confort des employés à l'intérieur de l'entreprise pouvait avoir un impact sur leur productivité. Et donc, voilà, et on a démontré ce point-là. Alors, pourquoi c'est si important de regarder, certes, toutes les qualités possibles et imaginables de l'immeuble sur le plan technique, fonctionnel, de son emplacement, etc. Certes, tous les avantages que le bâtiment présente du point de vue de ses coûts d'exploitation, mais aussi de regarder la question de la productivité, eh bien, vous avez la réponse sur cette page. Vous voyez que dans un immeuble de bureau, quand on dépense à l'année 1% du budget global sur l'énergie, on dépense 9% sur le loyer et on dépense 90% sur les salaires. Donc ça a été démontré sur des milliers d'immeubles. Et donc, on voit que quand on regarde effectivement le coût global de fonctionnement d'un immeuble avec les gens qui sont dedans, eh bien, si on fait un petit gain sur la partie salaire, c'est-à-dire gain de productivité, on va y venir, on peut avoir des retombées qui sont très, très importantes et c'est nettement plus importante que si on fait un gros gain sur les coûts d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts partout, hein, on est bien d'accord. Mais vous voyez les effets de levier que tout cela représente.
Et donc, on a un intérêt stratégique sur les mesures de productivité. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça valait le coup d'y passer un petit peu de temps. Alors, je précise un point très important avant que vous me posiez la question. C'est, vous allez voir, hein, il y a des calculs par la suite qui sont un petit peu innovants. Certains sont un petit peu sophistiqués, enfin sans excès quand même. Hein, c'est pas de la technologie Star Trek, mais disons qu'il y a quand même un peu de jus de cervelle. Et donc, la question que vous allez poser, c'est, ben d'accord, mais tout ça, est-ce que c'est fiable? Je réponds tout de suite, comme ça je suis tranquille. Enfin, peut-être pas tranquille d'ailleurs, on verra après, mais en tout cas, j'explique. Voilà, on travaille, nous, depuis 20 ans chez Goodwill sur ce genre de modèle et on l'a fait dans des tas de domaines différents. Et c'est ce sur quoi je tiens à insister maintenant, c'est que 100% de ce que nous faisons est premièrement adossé à du travail scientifique sérieux et deuxièmement, par voie de conséquence, opposable à des tiers. Alors, je vais pas lister tout ce qu'il y a dans la page. Je pense que vous garderez ce document pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Mais par contre, juste un point ou deux. Vous voyez, par exemple, on mesure l'impact du groupe Orange sur tous les pays du continent africain. Et donc, on regarde la valeur que crée Orange sur tous les pays d'Afrique. Voilà. Alors, en fait, pour mesurer cette empreinte socio-économique, on a un modèle de calcul. Et ce modèle de calcul présente des spécificités liées à ce qu'on nous a demandé de mesurer. Avant que les résultats se trouvent dans le rapport annuel de développement durable de Orange, premièrement, on a été audité par des chercheurs d'une université américaine, et puis deuxièmement, on a été audité par les auditeurs d'Orange qui sont KPMG, et puis ayant passé ces deux examens avec succès, on a été publié dans le rapport, voilà, dans le rapport de développement durable d'Orange. Et cette réalité-là, vous la trouvez à toutes les lignes qui sont ici. Quand on a calculé le coût de la contrefaçon, par exemple, sur l'économie française à la demande de Bercy, notre modèle, il a été audité par l'INSEE avant d'être validé. Donc, ça, c'est juste pour expliquer, sans y rester trop longtemps, qu'on essaye de faire des travaux sérieux, des calculs sérieux. Voilà. Donc, on peut passer à la page suivante. Et donc, je vous disais tout à l'heure, la valeur d'usage, c'est l'intérêt qu'un bâtiment représente pour son occupant. Et on peut coter ça avec des évaluations dites extra-financières, c'est-à-dire qu'on va donner des notes. Voilà. Alors, on a dans le modèle Thesaurus Vibeo, qui est l'outil qui est à la disposition de tout le monde en open source dans le cadre du groupe de travail Vibeo. On a depuis 10 ans donc peaufiné une méthodologie qui permet de couvrir tout ce qui nous apparaît comme vraiment substantiel ou pertinent au titre de la valeur d'usage d'un immeuble. Et donc, ça fait 300 questions au total et ça couvre des aspects techniques, des aspects environnementaux, des aspects fonctionnels, des aspects sociaux du bâtiment. Et bien évidemment, on a donc un spectre assez large. On a fait une table de correspondance entre le référentiel de Vibeo et puis les autres référentiels d'évaluation de bâtiments que vous connaissez. Et ce que vous avez en bas de cette page, ce sont des taux de couverture. Voilà, c'est-à-dire que quand on pose les questions Vibeo, on couvre 50% du référentiel Biodiversity, on couvre 35% de Bréham Construction, on couvre 42% de HQE, etc., etc. Et donc, on balaye assez large. Alors, le point important, sans rentrer trop dans le détail, vous allez voir un exemple tout à l'heure, c'est que quand on a fait une évaluation avec un de ces référentiels, on a la correspondance dans l'évaluation Thesaurus Vibeo et vice-versa. C'est-à-dire que si on a fait l'évaluation avec Vibeo au départ, on a tout de suite l'équivalence dans le référentiel concerné, que ce soit Well ou que ce soit Brim, par exemple. Voilà. Alors ça couvre des tas et des tas et des tas de sujets que vous connaissez tous et toutes aussi bien que moi, c'est-à-dire qu'on va regarder la qualité de l'eau dans les toilettes de l'immeuble, on va regarder au robinet dans les sanitaires, on va regarder la performance acoustique à l'intérieur sur les plateaux ou dans les bureaux, on va regarder les niveaux d'éclairage, on va regarder la performance thermique du bâtiment, on va regarder l'absence de composés organiques volatiles dans les produits qui ont servi aux aménagements, que sais-je encore. Donc, on balaye très, très large. Et dans tous ces sujets-là, il y a des tas de choses que tout le monde s'accorde pour dire que ce sont des bonnes pratiques.
Mais quand on se dit d'accord, mais qu'est-ce que ça peut faire gagner sur le plan économique à l'occupant? Il y a un gros point d'interrogation. Et donc, le cercle central que vous voyez sur cette page, ce sont des indicateurs qui, au terme d'une très très longue recherche bibliographique, sont apparus comme des critères ayant un impact sur l'efficacité au travail. En d'autres termes, pour prendre un exemple très simple, vous améliorez la qualité de l'eau au robinet dans les sanitaires de votre immeuble, c'est pas du tout sûr que les gens travaillent plus vite et qu'ils soient plus efficaces au travail. En revanche, si vous améliorez la performance acoustique des plateaux et qu'il y a moins de bruit et que les gens sont plus au calme, la preuve est faite que ça va avoir une influence sur leur vitesse de travail. Donc, on a un sous-ensemble de ces 300 questions qui ont un impact avéré sur la productivité. Et bien sûr, je vais passer moins de temps maintenant sur la cotation de tous les critères, parce que somme toute, on n'est pas les premiers à avoir fait ça, même si là, on a un système totalement intégré et homogène de bout en bout, mais je vais insister sur la question de la productivité. Et donc, Maestro, page suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc petit rappel de la fac. Qu'est-ce que c'est que la productivité? P, ben, c'est une quantité de biens ou de services par unité de temps ou d'argent. Voilà, donc je prends toujours, pour ceux qui redoublent, ils m'entendent pour la dixième fois, je prends toujours les mêmes exemples. Hein. Si vous êtes un poseur de moquettes, que vous coûtez 200 euros par jour et que vous posez 50 mètres carrés de moquettes à la journée, ça veut dire que 50 mètres carrés de moquettes, ça coûte 200 euros et vous êtes plus productif qu'un autre poseur de moquettes qui, bien sûr, à qualité égale, poserait 40 mètres carrés de moquettes pour 200 euros. Voilà. Donc, une quantité de biens ou de services par unité de temps ou d'argent. Voilà. Alors, quand vous pouvez aussi, pour simplifier un petit peu le propos, quand vous parlez de productivité, vous pouvez aussi parler de vitesse de travail. Voilà. Et si je travaille plus vite, ben, j'abats plus de boulot dans ma journée. Et donc, ça veut dire que chaque unité de boulot, elle va coûter un petit peu moins cher. C'est le principe de la productivité. Vous pouvez aussi l'exprimer sous la forme d'un delta. C'est-à-dire que vous dites, ben, ma variation de productivité par rapport à hier ou par rapport à mon collègue qui pose la moquette moins vite, eh ben, c'est, comment dirais-je, 2% de vitesse en plus, 3% de vitesse en plus, 10% de vitesse en plus. Voilà. Et donc, on est parti de ça et puis on a fabriqué un modèle qui vise à regarder comment le bâtiment peut avoir une influence sur le numérateur, c'est-à-dire la quantité produite par unité de temps, et puis sur les dénominateurs, c'est-à-dire le coût par unité de temps. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je vais vous montrer. Et la première chose qu'on a commencé à faire, comment dirais-je, en bon scientifique que nous sommes, c'est de faire une revue de littérature. Voilà. Et la première question qu'on s'est posée, c'est, bon, on a la conviction, parce que tout le monde est d'accord là-dessus, personne ne nous a jamais dit le contraire, que quand on améliore le bruit autour de soi, on travaille un petit peu plus vite, et puis que quand on améliore, si on a trop chaud, on travaille moins vite, puis si on a trop froid, on travaille moins vite, et puis si on travaille dans la pénombre, on travaille moins vite, etc., puis si on est complètement ébloui, on travaille moins vite aussi. Mais est-ce qu'il y a des chercheurs qui se sont amusés à quantifier tout ça? Bon, donc, recherche à l'appui, vous voyez ici un tableau qui n'est qu'une partie de notre revue de Biblio. Nous avons, sur tous ces sujets, des publications qui nous donnent des variations le plus souvent exprimées en pourcentage, c'est-à-dire je travaille 3% plus vite, 4% plus vite ou 4% moins vite, en pourcentage de vitesse de travail en fonction d'un seul paramètre. Voilà, donc les chercheurs travaillent pour certains sur la faculté qu'on offre à l'occupant du bureau de personnaliser son espace de travail. Pour d'autres, regardent l'impact du bruit sur la déconcentration et sur la perte d'efficacité au travail. D'autres encore sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère de la pièce qui a un impact avéré sur la vitesse de travail. Et donc, on a trouvé comme ça toute une série de publications sérieuses publiées dans des revues à comité de lecture qui apportent des informations très intéressantes sur le fait qu'on travaille plus ou moins vite de 3, de 5, de 10% suivant un des paramètres que je viens de citer. Et donc, si on regarde la page suivante,
le point d'après pour nous, ça a été de nous dire, bon, bah super, donc maintenant on a des informations scientifiques sur la variation de vitesse de travail ou de productivité en fonction de tous ces critères. Est-ce qu'il y a un esprit torturé qui se serait amusé à fabriquer un modèle avec tout ça? Donc on a cherché, puis on n'a pas trouvé. Donc comme nous avons des esprits torturés, ben on s'est dit on va fabriquer le modèle. Et en fait, le gros du boulot de Vibeo et de toutes les entreprises qui sont autour de Goodwill, là, que vous avez vu sur la première page, eh bien ça a été de travailler pendant une petite dizaine d'années sur ce modèle. Voilà. Alors vous retrouvez sur cette page, on va pas la regarder dans les moindres détails parce qu'on m'a pas donné beaucoup de temps, mais au numérateur, là-haut, vous voyez variation de production et donc temps de travail, variation d'efficacité. Au dénominateur, variation du coût du travail. Et puis, ben, on a intégré avec des formules de calcul les différents critères pour lesquels on avait trouvé une publication scientifique sérieuse. Alors, vous voyez que qu'est-ce qui influe sur la productivité de façon avérée aujourd'hui, travaux scientifiques à l'appui, ben, l'état général du bâtiment. Donc, je suis pas très motivé pour travailler dans un bâtiment pourri et donc je travaille moins vite. La vue que j'ai depuis ma fenêtre, le souci de confort des occupants, le fait qu'on me donne la possibilité de régler mes paramètres de confort, parce que certains sont très mal à l'aise à 19 degrés parce qu'ils ont trop chaud et d'autres sont très mal à l'aise à 19 degrés parce qu'ils ont trop froid. Le débit d'air, l'hygrométrie, la température, la luminosité, l'éblouissement, le fait que je puisse personnaliser mon espace de travail, le bruit, la biodiversité, et puis d'autres paramètres influent sur le coût du travail, le temps que je perds dans les déplacements internes, parce que l'immeuble et le plan de circulation est mal foutu, la signalétique qui peut arranger les choses, la qualité bactériologique de l'air qui génère de l'absentéisme, on a des publics là-dessus, etc. Voilà. Et donc, en définitive, ben, on a fabriqué un modèle. Alors, le modèle, il était le plus scientifique qu'on pouvait. C'est-à-dire qu'au numérateur, on a des formules, au dénominateur, pardonnez-moi, on a des formules de calcul en béton. Et puis, au numérateur, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on avait une formule qui était, pour intégrer tout ça, qui était une formule pleine de bon sens et d'empirisme, mais qui n'était pas véritablement scientifique. Alors, on va y venir après parce qu'on l'a bétonné, ce truc-là. Voilà, donc on peut regarder la page suivante. Et donc, si vous voulez, bon, là, vous avez effectivement quelques indications hein, des échantillons de publications académiques où on voit qu'un bon éclairage fait varier la vitesse de travail de 5 à 47%, que la présence de vue de nature à l'extérieur entraîne des variations de productivité, etc. Et donc, voilà, c'est juste pour illustrer un petit peu ce qui précédait. Et donc, on regarde un petit peu la page suivante. Et avec ça, on fait, hop, voilà la page suivante. Donc avec ça, de plus particulièrement depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis que ce groupe de travail s'appelle Vibeo, ben on étudie des bâtiments. Alors ici, vous en avez une petite synthèse. Vous voyez un bâtiment donc d'une des entreprises qui a fait partie du groupe Vibeo, Bolloré, et on a étudié un bâtiment qui s'appelle le Green Hub, qui se trouve à côté de Roissy. Alors, c'est pratique parce que comme tout est open source dans le groupe de travail, on a le droit de citer les bâtiments et de citer les résultats. Et c'est une grande richesse, hein, croyez-le bien. Et donc, vous voyez sur la partie basse de cette page, ben, une notation du bâtiment, c'est le radar en bleu, avec les heures non travaillées, la vue sur l'extérieur, on a 15 sur 20, la qualité de l'air, on a à peu près 15 sur 20 aussi, la présence de nature, on a un petit peu moins, etc., etc. Et puis au centre, le cercle, enfin le trait rouge, c'est le bâtiment de référence qui sert à voir effectivement si on est meilleur ou moins bon qu'un bâtiment de référence qui peut être, par exemple, un bâtiment moyen tel qu'on le trouve en Île-de-France. Donc là, vous avez des notes, hein, vous voyez, 0, 5, 10, 15, c'est des notes sur 20, comme à l'école. Et puis, sur la partie droite en haut de cette page, vous avez un chiffre de 226 000 euros. Voilà. Et donc ça, c'est la financiarisation du gain de productivité. Et donc, par rapport au bâtiment de référence, on a un gain de productivité à l'année. C'est-à-dire on travaille un petit peu plus vite dans ce Green Hub que dans le bâtiment qui a servi de point de départ, de référence.
on travaille de 0,69% plus vite, donc moins de 1% plus vite, que dans le bâtiment de départ. Et ça, c'est le résultat de la formule de productivité que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ce 0,69% de gain de productivité, ça fait 226 000 euros par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, quand vous avez un gain de productivité, vous pouvez dire, ben, je vais produire plus à ma salariale constante. Ou bien vous pouvez dire, je vais, comment dirais-je, produire autant qu'avant, mais avec besoin d'un petit peu moins de monde. Et donc, je vais pouvoir récupérer des gens pour faire autre chose. Voilà. Alors, je rentre pas trop dans les détails, le temps étant compté, mais notez bien que dans certains bâtiments, eh ben, ce 226 000 euros que vous voyez ici, ça va représenter des 10, des 20, des 30 % du coût du loyer, parfois des 40 % du coût du loyer. Voilà. Et ce 226 000 euros, ben, ça a un impact qui est déjà intégrable en l'état sur la variation de la rentabilité de l'entreprise qui est exprimée sous la forme de son EBIT ou sur la forme de son EBITDA ou sous la forme de son résultat net. Voilà. Et donc, on a effectivement là quelque chose qui est extrêmement intéressant déjà sur le principe. C'est oui, maintenant, c'est sûr, on est capable de dire que dans un immeuble bien foutu, au plan social et environnemental, on va travailler plus vite et on va gagner des euros. Et donc, ça veut dire louer un immeuble plus cher alors qu'on va gagner beaucoup plus d'argent en gain de productivité, ben ça vaut le coup. Et donc, c'est plutôt un management de l'immobilier par la valeur qu'un management de l'immobilier par les coûts. Alors bien sûr, au fond de la salle, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ouais, mais au numérateur de votre modèle, il y a une formule de calcul qui intègre des paramètres scientifiques, mais la formule ne l'est pas. Et donc, c'est pas prouvé que votre résultat, il est costaud. » Alors, on regarde la page suivante. Et donc, on s'est dit avec le groupe de travail ben, que la remarque était parfaitement fondée, puis on en avait bien conscience il y a 6-7 ans. Et donc, au moment où le groupe de travail Vibeo s'est formé, et ça a été d'ailleurs l'une de ses motivations principales, on a dit, ben, il faut absolument qu'on soit notre modèle, il tient pas la route, et puis on va le dire, et puis on va passer à autre chose, soit on va faire des tests in situ, on va voir ce que ça donne. Donc, on a cherché pendant plusieurs mois une méthode qui permet de d'établir la performance cognitive d'une personne. Donc, est-ce que en la situation présente, je suis en pleine possession de mes moyens, quels qu'ils soient ou pas. Voilà. Alors, on a cherché des tas de méthodologies, on a testé des tas de trucs, et puis on s'est arrêté sur une application qui est accessible par Internet, qui s'appelle Lumosity, et qui a été mise au point par des chercheurs en neurosciences de Palo Alto, qui a aujourd'hui 70 millions d'utilisateurs et 13 publications scientifiques, donc ça nous paraissait relativement sérieux. Et en fait, c'est un truc rigolo, vous pouvez aller sur Internet pour voir, hein. Vous faites avec ça des petits tests qui mesurent la vitesse à laquelle vous traitez l'information, si vous avez un confort ou un inconfort en orientation spatiale, si vous avez une efficacité au niveau de votre mémoire de travail, si vous avez une attention qui est au top ou pas, etc., etc. Voilà. Donc, ça mesure pas du tout le QI, hein. Ça mesure est-ce que je suis en pleine possession de mes moyens intellectuels ou pas au moment où on fait le test. Voilà. Et donc, on a pris une brochette de testeurs, de cobayes, et puis on les a envoyés dans plein de bâtiments. Alors, les testeurs, c'était des salariés des entreprises que vous avez vues tout à l'heure, c'est-à-dire des salariés de Bouygues, de Bolloré, de Gecina, de Covivio, etc., etc. Et puis, tout ce petit monde est allé travailler dans plein de bâtiments qui nous ont servi pour le test. Et à plusieurs moments pendant la période de test, les gens devaient se connecter à Internet et puis faire le test Lumosity. Voilà. Et donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte que quand le modèle nous disait ce bâtiment-là, on travaille 2% plus vite que dans le bâtiment de référence, eh ben, on le reproduisait avec le résultat Lumosity. Et donc, on peut passer à la page suivante. Voilà. Et donc, une première étude statistique, effectivement, qui met en évidence que la performance intellectuelle, ou plutôt cognitive, mesurée à l'aide de Lumosity est bien corrélée, enfin, convenablement corrélée, hein, vous savez, dans le,
Le domaine des sciences humaines, on a des coefficients de corrélation qui sont, enfin, on crie victoire quand on a des coefficients de corrélation qui dépassent les 30%, donc c'est le cas ici. Et donc, pour ceux qui font un peu de stats, hein, on a un coefficient de corrélation à 62%, un coefficient de détermination à 38%, mais ce qui est le plus important, c'est la p-value, qui est la probabilité que la corrélation n'ait pas de sens. Voilà. Et donc, on a une très faible probabilité que la corrélation n'ait pas de sens, qui est inférieure à 2%. Donc, aujourd'hui, bien sûr, il faudrait faire des dizaines d'études de ce type dans des centaines et des milliers de bâtiments, mais on a, après avoir fait ces travaux, une première vérification que le modèle Lumosity, que le modèle, excusez-moi, Thesaurus Vibeo, est un modèle qui est fiable et qui représente bien la valeur d'usage des bâtiments. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop long. Et voilà à peu près ce que je voulais vous raconter. Et donc, aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez calculer l'intérêt économique du bâtiment dans lequel vous avez, par exemple, l'intention d'emménager avant de le faire et de regarder si, par exemple, la variation de loyer par rapport à l'immeuble que vous quittez, eh bien, elle vaut la peine ou pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alan, un grand merci à toi. Non, tu n'as pas été trop long, c'est parfait en termes de timing. Merci, c'est extrêmement clair, très pédagogique. Et du coup, je vous propose un premier moment d'échange et de partage, sachant qu'après, nous allons avoir deux témoignages. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut avoir un premier moment d'échange, ensuite les témoignages, et ensuite nous nous projetterons dans la feuille de route du Hub Vibeo que nous allons vous proposer de rejoindre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment ça marche pour les questions? Il faut lire le chat ou il y a quelqu'un qui répercute les questions? Comment ça marche? Je reçois toutes les questions et je vous les fais passer. Tu nous les lis? Oui, je fais la narratrice. Très bien, super. Donc, est-ce qu'on peut faire le test bâtiment A versus bâtiment B? Oui. Voilà. Donc, oui, je comprends bien la question. Donc, en fait, si vous voulez, avec la méthode Vibeo et avec l'outil, je vais dire un petit mot sur l'outil, j'ai oublié. Vous pouvez faire, premièrement, une mesure du bâtiment qui vous intéresse par rapport à un bâtiment de référence et vous choisissez votre bâtiment de référence. C'est-à-dire que depuis toutes ces années avec les membres du groupe Vibeo, on a identifié le bâtiment sans atout, j'allais dire, le bâtiment de niveau de performance en valeur d'usage moyen et le bâtiment haut de gamme en termes de valeur d'usage, sur tous les critères que vous avez vus tout à l'heure, donc et en confrontant notre système de notation avec un parc donné, comme par exemple le parc des immeubles de bureaux en Île-de-France. Et puis, on l'a fait aussi parce que vous avez vu tout à l'heure qu'on a travaillé avec British Land en Angleterre, on l'a fait aussi sur le parc londonien. Donc, on a, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment sans atout à Paris, un bâtiment moyen du point de vue de sa valeur d'usage et un bâtiment tip-top. Voilà. Et donc, du coup, première réponse à votre question, vous pouvez dire, ben, je vais mesurer mon bâtiment par rapport à l'un de ces trois standards. Et par exemple, vous pouvez arriver à la conclusion que vous êtes nettement meilleur que le bâtiment tout pourri et puis que vous n'êtes pas tout à fait au niveau du bâtiment qui est considéré comme le bâtiment performant de référence. Et puis la deuxième chose, je viens plus précisément sur votre question, c'est que oui, vous pouvez, avec l'outil en standard, vous pouvez coter votre bâtiment et le comparer, sous réserve bien sûr que vous ayez les informations, mais elles ne sont pas très très difficiles à collecter,
Vous pouvez mesurer l'écart en notes et en euros entre votre bâtiment et celui qui est de l'autre côté de la rue, par exemple. Voilà. Donc, oui, on peut faire ça. Et donc, du coup, j'en profite parce que j'ai oublié de le dire. Vous avez dans le cadre du hub Vibeo, comme c'était le cas d'ailleurs dans le cadre du groupe de travail Vibeo avant qu'on se rapproche d'IFPEB, vous avez un classeur Excel qui permet de faire tous les calculs, qui est à votre disposition. Et vous avez aussi, depuis cette année, une application accessible par Internet qui permet de faire tous les calculs. Voilà. Et donc ça fait partie du package, c'est-à-dire que vous n'avez pas seulement une méthodologie, vous avez aussi des outils qui marchent et qui permettent de faire des évaluations très rapidement. Merci Alan. On peut prendre une deuxième question, une question posée sur l'outil. Est-ce que suite à la crise sanitaire que nous avons traversée, il est nécessaire d'envisager des modifications, des reparamétrages, ou enfin voilà, est-ce que le contexte impacte l'outil? Objectivement, je pense que le contexte n'impacte pas l'outil. Nous sommes d'ailleurs en ce moment chez Goodwill en train de l'utiliser pour évaluer des immeubles et on n'a pas éprouvé le besoin de faire des modifications. Je crois comprendre le sens de la question. Peut-être que l'un des sujets qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est effectivement le gain de productivité permis par les conditions optimum de travail qu'on peut avoir dans un bureau et qu'on peut ne pas avoir chez soi. En d'autres termes, la concurrence entre l'immeuble de bureau et le télétravail. Voilà. Sur ces bases-là, je ne dirais pas que ça change les paramètres de l'outil. Par contre, ça va certainement nous amener à explorer de manière encore plus fine tous les paramètres qui pourraient influer sur le gain de productivité des bureaux. Voilà. Mais sur les paramètres existants, crise du coronavirus ou pas, vous travaillez plus ou moins vite du fait de la température ou de la luminosité ou du bruit d'une façon qui est invariante. D'accord, parfait. Merci beaucoup Alan. On va vous proposer d'avancer et de passer au témoignage à présent. Nous allons avoir tout d'abord un témoignage de Magali Sandona, directrice générale de Protercia Groupe EDF qui vient de nous rejoindre. Merci à toi Magali de te joindre à nous. Bonjour. Bonjour. Et dans un second temps, nous aurons un témoignage de Sébastien Nolot de Chorus qui nous parlera aussi de la valeur d'usage. Donc à ce stade, nous avons pu échanger sur la valeur d'usage, sa définition, les enjeux, l'outil Vibeo et donc toute cette méthode de calcul qui va nous permettre de mesurer la valeur d'usage. Et Magali, on te propose à présent de donner ta vision du contexte de la valeur d'usage. Je te laisse la main, Magali. Je vous prie de m'excuser déjà parce que je suis dans un environnement un petit peu bruyant. J'essaie de faire au mieux, de gérer différentes choses qui ont trait au bâtiment d'ailleurs. Mais donc la valeur d'usage, c'est quelque chose qui est important, c'est sûr. Mais la première attractivité d'un bâtiment, il ne faut pas l'oublier, c'est sa localisation. Et la localisation fait partie justement de sa valeur d'usage aussi. L'accessibilité du bâtiment, les services qu'il y a autour sont vraiment importants dans l'évaluation d'un bâtiment. Donc, est-ce qu'on aura plus de télétravail? C'est une grande question que tout le monde se pose post-Covid. C'est possible. Mais personne ne sait, enfin, c'est même certain, je dirais, mais par contre, personne ne sait dire dans quelle proportion. Parce que ce qu'on constate maintenant que les gens commencent à revenir sur les sites de bureaux, c'est qu'ils sont quand même contents de se retrouver ensemble. C'est aussi qu'il y a certaines tâches qui sont quand même plus faciles à faire quand on se voit et quand on se parle en interaction physique via Skype ou via des webinaires, même s'ils sont très bien faits, c'est pas tout à fait pareil. Donc on pourra avoir, c'est sûr, un peu plus de flexibilisation des espaces,
Mais on va surtout avoir peut-être des changements d'affectation des lieux, puisque si on va au bureau, c'est pour être ensemble. C'est certainement pas pour s'enfermer, mais ça, c'était une tendance qui était déjà un peu disparue, pour s'enfermer chacun dans son bureau, mais c'est aussi pour travailler ensemble. Est-ce que ça va se faire au profit de coworking? J'ai l'impression qu'on va avoir plus de coworking interne, donc des espaces flexibilisés dans les zones louées par des sociétés. Et surtout, on n'aura pas forcément, pardon, je voudrais rester sur, voilà, on n'aura pas forcément moins de surface par salarié. Ce qu'on est en train de voir, c'est que mesure de distanciation physique oblige, nécessité aussi d'avoir des nettoyages entre différents utilisateurs d'un même espace, ça ne veut pas forcément dire moins de surface par salarié présent. Donc sur le coworking, oui, pour du coworking interne, le coworking externe, les sociétés actuelles spécialisées en coworking sont plutôt un petit peu en souffrance en ce moment. On peut passer au slide suivant, Christophe, ou je ne sais pas qui a la main. Voilà. Donc l'importance de la valeur d'usage, j'avais commencé par là, hein, c'est la valeur d'usage d'un bâtiment, elle n'est pas forcément et que liée au bâtiment. Certes, le bâtiment a des caractéristiques qui font qu'il est plus ou moins attractif. Par contre, je répète, sa localisation, et il y a eu encore un article très très récent dans Décideur qui le montrait, si certaines implantations, pour parler rien que de l'Île-de-France, en couronne parisienne et même en première couronne parisienne, pourraient souffrir, les lieux habituellement très demandés vont continuer à être très demandés et les évaluations de ces immeubles ne baissent pas beaucoup. Donc la localisation au sens géographique mais aussi au sens proximité des usages, proximité des transports, accessibilité va être, je pense, encore plus importante. Donc slide suivante. Voilà. Donc mes attentes, moi, sur un club ou un hub, c'est d'avoir une vision objective des tendances du moment et débarrasser du sentiment d'urgence à dire quelque chose tout de suite après la crise. Je pense qu'il faut un peu laisser le temps au temps. Et il faut voir comment ça va se traduire vraiment dans les faits. Est-ce que le télétravail va réellement beaucoup se développer ou est-ce qu'on va juste contenter de passer de un jour de télétravail par semaine à 2 jours, ce qui est déjà important, j'en conviens, mais qui n'est pas non plus une révolution phénoménale. Le coworking, est-ce qu'on va s'orienter vers du coworking interne? Est-ce que les sociétés de coworking vont finir par rebondir? Et les espaces, comment ils vont être remodelés? Est-ce qu'on va rester sur des espaces tels qu'on les connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on va tout chambouler? Et puis, l'influence de la localisation sur les vis-à-vis des autres critères, est-ce que ce critère qui est déjà aujourd'hui et qui était avant la crise très important va se confirmer comme quelque chose de primordial? Merci à toi, Magali, pour ce témoignage qui nous amène un peu de recul par rapport à tous ces enjeux post-crise sanitaire. Et du coup, tu nous projettes d'ores et déjà dans le lancement du hub vidéo. On a pas mal de questions. On vous propose de faire une session questions-réponses à l'issue des deux témoignages avant de se projeter sur la feuille de route du hub vidéo. Merci à toi, Magali. On vous propose à présent d'accueillir... Les slides vont plus vite que moi. Nous vous proposons à présent d'accueillir Sébastien Nolo, chef de projet Workplace, et Nicolas Noir, directeur R&D de chez Corus, qui vont à leur tour nous proposer un témoignage sur les enjeux de la valeur d'usage. Sébastien, Nicolas, êtes-vous avec nous? Bonjour à tous, moi je suis là. Nicolas? Parfait. Nicolas Noir? Alors, Nicolas. Sébastien, oui, tu es là? Ah, si, tu es là, Nico. Super. Oui, vous entendez? Je suis là.
On commence par se présenter. Moi, je me présente rapidement. C'est parfait, on entend bien. Je me présente rapidement. Je suis chef de projet Workplace au sein de Corus. Je m'occupe d'accompagner les clients dans la transformation de leur environnement de travail, donc de la du recueil du besoin, du recueil de l'ambition et des enjeux des commanditaires jusqu'à la livraison de leurs futurs espaces. Nicolas, je te laisse la main. Oui, vous m'entendez? Allô, allô? Oui, mais un peu en retard. Allez, vas-y, à toi. On entend, vous ne m'entendez pas? Si, on entend, très Nicolas, bien. C'est impeccable. Ravi d'être là parmi vous. Merci à l'IFPEB et à Goodwill de nous laisser l'occasion de nous exprimer sur notre retour d'expérience en tant qu'acteur du groupe de travail Vibeo. Alors, juste avant de commencer, je me permets de dire deux mots sur Corus. Donc, Corus, on est une entreprise qui conseille et accompagne nos clients dans la conception, la réalisation tout corps d'état, l'aménagement mobilier, la maintenance de leur environnement de travail. On aime à dire qu'on accompagne l'ensemble du cycle de vie d'un environnement de travail. On officie à travers toute la France, 7 directions de secteur, 3 filiales à l'étranger, auprès de différents domaines d'activité stratégiques, médico-social, santé, café, hôtellerie, restauration, banque, assurance mutuelle, le retail et le tertiaire. On est à peu près 300 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Alors, pourquoi on a rejoint le groupe Vibeo il y a à peu près maintenant 3 ans? En fait, on l'a rejoint en tant qu'aménageur et concepteur d'environnement de travail. On était les premiers. Les membres historiques avaient plutôt travaillé sur la valeur d'usage du bâtiment dans sa globalité, comme l'a dit la précédente témoignatrice du sujet, et qui ont plutôt travaillé sur la position, l'accessibilité, la centralité du bâti. Nous, on a voulu démontrer en quoi l'aménagement intérieur d'un espace, son concept, pouvait améliorer la valeur d'usage du bâtiment, donc la performance des utilisateurs et par là la productivité des salariés, des entreprises, excusez-moi. Avec 2 enjeux fondamentaux, notre réflexion, c'était de se dire en quoi l'outil peut nous aider à faire des meilleurs choix conceptuels, donc aider nos architectes, nos aménageurs intérieurs à faire des choix dans la conception des aménagements intérieurs et de justifier auprès de nos clients, pareil, une aide à la décision pour dire voilà, monsieur le client, pourquoi on vous a fait faire ce choix conceptuel plus qu'un autre. En effet, et plus particulièrement dans une période complexe post-Covid, on sait qu'on traverse une période économique un peu compliquée, les clients nous posent régulièrement la question du choix entre un concept et un autre. Et bien souvent, les différences se font sur des éléments qui ne sont pas forcément très objectifs, de type, on va faire un choix plutôt d'aménagement de type esthétique ou organisationnel. Et nous, c'est de leur apporter des éléments tangibles, pragmatiques, à travers un retour sur investissement. Oui, effectivement, ils nous demandent aujourd'hui, est-ce qu'il est bien sérieux, dans une période en plus difficile, d'investir des milliers, voire des millions d'euros dans le réaménagement d'un environnement de travail. Alors nous, on en est convaincus puisqu'on sait que la performance, en tous les cas la valeur d'usage du bâtiment, a un impact très fort sur la performance globale de l'entreprise. Et grâce à l'outil, effectivement, on peut les rassurer et leur démontrer que leur investissement est viable. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Donc, nos équipes d'architectes, d'ergonomes ont travaillé depuis les 3 ans qu'on participe au groupe sur le questionnaire Thésaurus en s'intéressant au sujet de la fonctionnalité des équipements, des questions liées à l'organisation des espaces, au parcours utilisateur, à la modularité des aménagements et des équipements, aux impacts potentiels des équipements et des aménagements sur la santé. Donc, vraiment sur des réflexions
de l'espace, du concept intérieur des espaces. On s'est aussi beaucoup intéressé ces deux dernières années à la logique de santé. Il faut savoir que Corus considère que la principale ressource de l'entreprise est sa ressource humaine, même si la ressource bâtie environnement de travail est très importante. La principale ressource d'une entreprise est sa ressource humaine. Le principal capital d'une ressource humaine est sa santé. Aujourd'hui, 93% des salariés estiment que leur environnement de travail a un impact fort sur leur santé. Donc, ça coule sous le sens que manager la performance de l'entreprise à travers la santé et l'environnement de travail a énormément de sens. Et c'est aussi cette compétence et cette expertise qu'on peut apporter au groupe pour continuer à faire évoluer Vibeo, sachant qu'on travaille chez Corus avec des experts de la santé, des nutritionnistes, des ostéopathes, des psychiatres, des coachs sportifs. Nous, en tant qu'architectes de l'aménagement intérieur, on ne se sent pas forcément légitime sur ces sujets. Et on est en capacité effectivement d'apporter aussi cette corde à notre arc. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Sébastien qui va vous expliquer un peu plus en avant comment on utilise au quotidien Thésaurus chez Corus, qui pour nous est un outil à forte valeur ajoutée. Et je réinterviendrai en fin de présentation pour vous dire deux mots sur les transformations sans précédent que l'on vit actuellement. Alors, Alan, effectivement, à la question post-Covid avec développement des nouveaux modes de travail, dont le télétravail, le coworking, la transformation liée à la troisième révolution industrielle. On peut vraiment parler de transformations fondamentales qui sont en cours. Quel impact ces transformations vont avoir sur les usages et sur les aménagements? Je vous propose de vous en dire deux mots dans quelques instants. Je te laisse la parole, Seb. Je te laisse poursuivre. Okay, merci. Effectivement, on peut passer à la slide suivante. Donc moi, aujourd'hui, l'outil, effectivement, je l'utilise pendant tout le processus de conception. Bon, il a fallu un peu de temps pour se prendre en main, mais aujourd'hui, avec tous nos partenaires et les personnes avec qui je collabore pendant les phases de conception, c'est un outil qui me sert. Tout d'abord, déjà, pendant les phases de faisabilité, effectivement, on a aussi des partenariats avec des brokers. Là, l'outil Thésaurus est complètement adapté. Il a même été, je pense, à l'origine conçu pour ça, c'est pouvoir comparer des bâtiments entre eux. Aujourd'hui, la valeur ajoutée que moi je trouve à cet outil, c'est en phase programmation. Ça me permet d'avoir un outil en fait de visualisation des différents items de productivité et de pouvoir montrer à nos clients ce qu'on appelle donc le facteur limitant, c'est-à-dire où est-ce que le bâtiment à ses points faibles finalement. Donc là, on peut prendre je vous ai mis un petit exemple d'un graphique qui est issu du modèle Thésaurus. Non, on peut rester sur la slide suivante, sur la précédente. Donc là, c'est un histogramme qui présente les différents facteurs de productivité en couleur orange, rouge, marron. Donc c'est les standards du bâtiment qui ont été évalués par le groupe Vibeo. Et en couleur verte et bleue, c'est mon bâtiment initial et mon bâtiment en couleur bleue, mon bâtiment initial, en couleur verte, mon bâtiment futur. Et donc ça me permet, c'est un outil que je montre à mes clients pour montrer, aujourd'hui en phase APS, on a fait un programme de conception. Voilà où se situe notre concept d'aménagement. Et donc, comme vous l'a dit Alan tout à l'heure, c'est le but, c'est d'avancer. On peut pas laisser une cible complètement sans travail. C'est-à-dire que on est obligé de travailler sur tous les facteurs de productivité. Et là, dans ce graphique, on se rend bien compte que la présence de la nature et la qualité de l'air a été complètement oubliée du projet.
Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, bah là, c'est un grand groupe, je ne vais pas citer, bah, c'est la SNCF, c'est la direction immobilière qui donne un bâtiment à ses utilisateurs. Donc la direction immobilière, bah, le bâtiment, il est dans l'état actuel. La CVC sera pas refaite et là, le confort hygrométrique sera pas refait. Donc nous, on intervient sur toute la fonctionnalité. Donc effectivement, on peut apporter des nouveaux usages, du confort en tout cas aux utilisateurs. Mais il y a une cible bah, qu'on maîtrise pas. Corus, aujourd'hui, on a une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on va pas travailler sur la technique. Et la direction immobilière a décidé d'ailleurs que voilà, la technique resterait en l'état parce que c'est un bail. Donc ça permet en tout cas, les utilisateurs prennent ce document et peuvent aller revoir leur direction immobilière en disant attention, nous on a augmenté tous les facteurs possibles, mais là il y a des éléments qui vont pas être travaillés et qui vont en tout cas donner moins performance à nos utilisateurs. Voilà. On peut passer à la slide suivante si vous voulez. Donc les futures attentes moi du Hub Vibeo, bah, c'est tout d'abord une reconnaissance nationale. Effectivement, bah, moi je suis très content qu'on rentre avec l'IFPEB également. Quand j'irai voir mes clients, je pourrai au moins voilà, faire référence à l'IFPEB et qu'il y ait plus de documentation, que ce soit reconnu et que je ne refasse pas le pitch à chacun de nos clients sur en tout cas la véracité de cet outil. Également, moi, quelque chose qui m'intéresse, c'est vraiment le benchmark que l'on va pouvoir avoir avec ce hub. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, des standards ont été réalisés par le groupe Vibeo. Moi, mon souhait, ça serait vraiment qu'on partage chacune de nos évaluations et qu'on puisse ensuite faire des standards par secteur d'activité, peut-être par territoire également. Donc, voilà, bon, c'est une piste en tout cas d'amélioration que je souhaiterais. Également, bah, effectivement, on parle aussi du Covid, du télétravail. Est-ce qu'il y a, et on voit que la recherche scientifique, bon, date un peu, mais bon, une recherche scientifique, effectivement, tant qu'elle n'est pas, en tout cas, contredite, elle existe. Mais est-ce qu'il y a, voilà, il n'y a pas de nouvelle recherche scientifique que l'on pourrait rentrer dans l'outil Thésaurus? Et pour finir, bon, voilà, c'est la validation du modèle de financiarisation. Et effectivement, nous, de plus en plus, sur nos projets, nos clients nous demandent d'avoir des KPI, des retours, en tout cas, des clés de performance, en tout cas des mesures de performance une fois que notre aménagement est fait. Donc là, ça serait en tout cas de comparer les résultats de l'outil Thésaurus en financiarisation, d'essayer de le comparer avec des enquêtes ou des outils que l'on pourrait mettre en place de suivi de nos aménagements. Je peux te laisser la main, Nico, si tu veux, sur les nouvelles attentes du Hub Vibeo. On ne t'entend pas, Nico. Alors, Nicolas, je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Je vais peut-être couper ta vidéo. Peut-être couper la vidéo, effectivement, parce que le micro est bien ouvert. D'accord. Nicolas, est-ce que éventuellement vous pouvez essayer de désactiver votre micro et le réactiver? Voilà, il est désactivé. Et ça ne semble pas fonctionner. Les aléas des visios. Bon, on a une difficulté technique. Sébastien, est-ce qu'éventuellement, tu pourrais faire la conclusion? Je pense que de toute façon, je pense que Nicolas en a dit deux mots hein, sur les conséquences du Covid
et l'outil Thésaurus. Peut-être qu'on, avec les questions. Bien sûr, merci. Enfin, si vous m'entendez bien, j'ai un très mauvais. C'est pour ça que j'avais. Non, c'est bon, on entend impeccable. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, on entend. Allô, est-ce que je peux vous appeler? Malheureusement, vidéo, vous m'entendez pas? Oui, Nicolas, on vous entend malheureusement très mal. J'ai peur qu'il y ait un petit problème de connexion. Oui, vous m'entendez? Là, c'est bon. Vous m'entendez, oui? Oui. Bon, je sais pas, excusez-moi, je n'entendais pas. Alors, pour le coup, si Seb est intervenu, mais dire deux mots, si c'est encore temps, effectivement, sur… On peut, tout à fait. Oui. Donc, moi, je voulais, effectivement, le sujet était abordé, il est important. On vit quand même un bouleversement sans précédent, le Covid, Zoom, on peut parler d'une troisième révolution industrielle avec la digitalisation, la robotisation, l'arrivée de nouvelles générations sur le marché. Et tout ça, c'est des alliés de circonstances, on aime dire chez Chorus, qui vont faire la peau inévitablement des bureaux ringards, qui sont déjà les bureaux peu performants. Et il y a une nouvelle génération de bureaux qui doit voir le jour, plus énergisante, plus écologique, plus digitale et plus plurielle, hein, entre le coworking, le home office, les bureaux, et qui nous donnera tous envie de venir pour construire ensemble. Parce qu'on reste quand même convaincu chez Chorus que l'homme est un animal social et qu'il a besoin de repères, d'interactions physiques. Donc, un siège social, pour nous, reste un manifeste beaucoup plus efficace qu'une page Facebook ou qu'un site Internet. Donc, attention de ne pas se précipiter dans nos choix. Nous, on est très vigilant par rapport à ça. N'oublions pas qu'on a pris des décisions dernièrement en période de crise sanitaire. Du jour au lendemain, il y a un quart de la population qui s'est retrouvée en télétravail. Et face à des situations d'urgence, on prend des solutions, on met en place des solutions dans l'urgence qu'on n'estime pas forcément durables dans le temps. En tous les cas, encore une fois, il faut prendre le recul nécessaire. Comme l'a dit Alan, est-ce que ces nouveaux paradigmes vont considérablement modifier les critères de valeur d'usage? Je n'en suis pas convaincu non plus. En tous les cas, on restera vigilant. Il faut se garder des grands effets de balancier qu'on a bien connus, nous, dans l'aménagement des espaces intérieurs, de passer du tout fermé au tout open space avec… les difficultés qu'on a connues, du tout peu open space au tout flex office, avec là aussi des contraintes au niveau du risque psychosocial du tout flex par rapport à des personnes qui perdent leur repère, qui perdent leur identité. Et pareil, attention du passage du mouvement de levier trop brusque pour passer du tout présentiel au tout à distance. L'organisation de nos entreprises, on le dit régulièrement, doit être pensée de façon raisonnée et raisonnable dans un équilibre intelligent entre figital et digital, entre vie familiale et vie professionnelle, entre performance individuelle et performance collective, et entre autonomie et lien social. Donc, nous devons accompagner ces fondamentales et même dans le groupe de réflexion à venir, ces changements, mais pas seulement au plan matériel, environnement, espace, même si c'est fondamental et je vais vous l'expliquer, mais il faut les accompagner de façon également plus holistique et de façon plus systémique. Et nous, c'est notre conviction chez Chorus, d'un point de vue managérial, organisationnel et humain. Mais les espaces, et ça on est assez convaincu parce que c'est notre métier, seront des leviers fondamentaux de ces transformations et des leviers pratiques parce que beaucoup plus tangibles pour le commun des mortels, beaucoup plus parlant de dire à un collaborateur, on va
transformer ton espace physique, et là, ça parle à tout le monde, et de cette transformation de l'espace, on va accompagner la transformation plus globale de l'entreprise qui est inévitable pour rester compétitif et concurrentiel dans les années qui viennent. Donc, nous pourrons creuser, je pense, ces sujets de réflexion lors de nos prochaines sessions. Ça apportera encore du grain à moudre. Merci. Merci, merci à vous trois. Merci à Nicolas, merci à Magali et Sébastien. Bon, vos témoignages mettent en lumière le fait qu'on est dans une période charnière où il y a vraiment une remise en question profonde et que ce n'est absolument pas le moment de se précipiter sur des tendances. L'enjeu est plutôt de la prise de recul pour partager une vision objective de la valeur d'usage dans l'immobilier. Et donc, on aura évidemment l'objectif collectif de discuter de ces sujets-là et de partager une vision objective dans le cadre du Hub Vibeo. Nous avons un certain nombre de questions qui ont été posées, donc on vous propose un moment d'échange. Il y en a pas mal, donc on n'aura pas forcément le temps de toutes les aborder et on s'efforcera d'y répondre quoi qu'il arrive à l'issue du webinaire. La première question qui a été posée, je la pose à Alain Fustek. Tout à l'heure, nous avons évoqué l'importance de la localisation. Magali l'a mentionné de façon explicite. Est-ce que l'outil peut nous aider à prendre en considération ce type de problématique pour se faire une idée de l'incidence sur la valeur d'usage? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, au cours des années, avec le groupe de travail Vibeo, on a étoffé l'outil. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était finalement le cœur du réacteur. Donc, dans l'état actuel des choses, nous avons au niveau de l'outil un module qui permet de calculer la valeur d'usage de la centralité d'un côté et des qualités intrinsèques du bâtiment de l'autre. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que on est capable du coup d'objectiver le fait que on peut rattraper une partie de l'éloignement d'un bâtiment avec ses qualités intrinsèques. Voilà. Donc on peut regarder objectivement les qualités intrinsèques du bâtiment et ce qui génère comme gain de productivité avec l'éloignement et ce qui génère comme gain ou comme D'accord. perte de productivité. Voilà. Le deuxième point, sincèrement, je pense qu'on peut jamais rattraper un mauvais éloignement. Enfin, très mauvaise localisation, on la rattrape jamais et j'ai plein d'exemples. Et en plus, le marché, la valeur des immeubles est imparable là-dessus. Un truc qui est perdu à trifouiller les doigts et inaccessible, il va finir par plus louer, même s'il est très beau et très vert. Oui, oui. Moi, je ne dis pas le contraire. Hein. Je dis simplement qu'on a le moyen d'objectiver ça. C'est-à-dire qu'on a des outils pour calculer les deux. Si je peux juste faire un tout petit complément, c'est aussi pour ça je parlerai tout à l'heure du groupe de travail que nous allons mener. L'outil sera le socle, mais on parlera bien de faire un groupe de réflexion. C'est ça. Et donc, on a rajouté d'autres fonctionnalités, j'en profite, hein, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Nicolas Noir a parlé, effectivement, il y a tout un module de calcul pour la valeur d'usage des aménagements, des services que le bâtiment offre à ses occupants, indépendamment de ses qualités intrinsèques. Et donc, petit à petit, on a étoffé les domaines de mesure de la valeur d'usage à des tas de choses qui gravitent autour des qualités intrinsèques du bâtiment. Voilà, c'est juste petit point de complément. Alors, il y a un ensemble de questions posées finalement sur les capacités de l'outil. On nous parle de France, international, Paris. Voilà, quel est le périmètre de calibration de l'outil, mais aussi la taille des bâtiments, le neuf, la rénovation. Voilà, c'est un ensemble de questions qui sont posées sur les capacités de l'outil. D'accord. Donc, très honnêtement, aujourd'hui, on a si on raisonne sur les fonctionnalités de l'outil tel qu'il existe actuellement, on est parfaitement bien calibré de manière très, très fine sur l'Île-de-France. Et on est très bien calibré sur la métropole londonienne. Voilà, parce qu'on a fait des ajustements. Je mentirais si je disais qu'on l'a fait aussi pour comment dirais-je, pour Marseille, pour Bordeaux ou pour Francfort.
ce que nous a apporté l'expérience du recalibrage de l'outil quand on est passé du marché parisien au marché londonien, c'est qu'en fait, on fait varier d'assez petites choses. Ça ne change pas du tout au tout. Voilà. Et donc, le travail de paramétrage est quelque chose de relativement facile, mais donc il n'a pas été fait dans toutes les localisations. Et la deuxième chose, pour répondre à ta question, enfin à votre question, ceux qui l'ont posée, c'est qu'on travaille sur le petit immeuble de bureau de 3 étages jusqu'à la tour Majunga de la Défense qu'on a évaluée sans aucun problème. Donc la taille n'est pas une limite à l'application du modèle. D'accord, bon, c'est formidable à l'IFEB, on est sur un immeuble de bureau qui fait quelques centaines de mètres carrés. C'est ça. Deux dernières questions et ensuite nous projetterons dans le hub vidéo et nous parlerons des prochaines étapes. La première, c'est tout ce qui gravite autour de la valeur verte et des éventuelles stratégies patrimoniales qui pourraient être faites. Est-ce que l'outil peut aider dans ces démarches et ces réflexions sur la valeur verte de l'immobilier ? Et deuxième question un peu dissociée, mais je pose les deux dernières questions. Le digital, est-ce que le digital, les services digitaux peuvent aussi contribuer à la valeur d'usage? Et est-ce que l'outil peut nous aider à toucher du doigt un petit peu ces enjeux-là? Donc, valeur verte et digital. OK. Donc, sur la première question de la valeur verte, en fait, la valeur verte aujourd'hui, elle se met en évidence par des régressions, c'est-à-dire des calculs statistiques sur des grands échantillons où on voit un consentement à payer une valeur verte et on en déduit par voie de conséquence un delta de valeur du bâtiment. Là où effectivement nous apportons ou nous apporterons un éclairage intéressant sur le sujet, c'est quelle est la variation de flux futur de cash flow actualisé qui est générée par des caractéristiques sociales et environnementales du bâtiment. Alors, on est à deux doigts de pouvoir le faire. Hein. C'est-à-dire que dans le cadre du travail de Vibeo, bien sûr, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, ça aurait été trop long. Nous avons mis au point un modèle qui permet d'intégrer la valeur d'usage avec tout ce qu'elle a de social et environnemental dans le calcul de la valeur patrimoniale du bâtiment. En d'autres termes, on a, pour ceux qui sont familiers avec ces approches-là, on a repris la méthode des cash flows futurs actualisés qu'on utilise sur les bâtiments et on a intégré à deux endroits, dans la génération de flux futurs et dans le facteur d'actualisation, des formules qui ont trait à la valeur du bâtiment. Et donc, on est au stade aujourd'hui où, avec les experts en valorisation classique de la Frexim et de l'EFI, on est dans les starting blocks pour faire des tests en double aveugle, c'est-à-dire avec le modèle de Vibeo sur la valeur patrimoniale cette fois-ci et non plus sur la valeur d'usage et avec des méthodes classiques. Et donc, jusque-là, le petit groupe qui s'était constitué pour faire cette expérimentation très intéressante n'a pas été mis en œuvre parce qu'il nous a manqué il faut qu'on trouve des bâtiments et qu'on trouve le temps pour le faire et on l'a pas fait. D'accord. Mais c'est juste une manière de dire que ce travail-là est à l'ordre du jour de nos progrès futurs, sous réserve que les membres du hub, puisque c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, soit d'accord pour qu'on consacre un peu d'énergie à ça. Voilà. D'accord. Donc ça c'était le premier point sur la valeur verte et la valeur d'usage. Et ton deuxième point c'était quoi ? C'était le digital. Le digital. L'émergence des services digitaux. Tout à l'heure on a vu le WiredScore, on a vu R2S. Voilà. Est-ce que l'outil peut nous aider à mieux toucher du doigt l'enjeu de productivité associé ? C'est ça. Donc là, effectivement, je pense que c'est le digital est tellement en train d'exploser de partout en ce moment que cette partie-là du modèle Vibeo méritera d'être fortement étoffée. D'accord. Elle existe déjà. Et en fait, ce qu'on dit pour le caractère plus ou moins digital friendly du bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des progrès à faire là-dessus. On se l'est dit à plusieurs reprises avec Nicolas Noir qui a pris la parole tout à l'heure. On a des gros progrès à faire aussi, même si l'outil est déjà très intéressant en matière de mesure de la valeur d'usage des aménagements. C'est-à-dire que
Si vous voulez, on a aujourd'hui l'avantage d'avoir un truc qui marche bien, qui a été testé, qui est robuste, qui donne des résultats fort intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des tas et des tas de progrès à faire. Donc, tous ceux qui participeront au hub pourront apporter leur pierre à l'édifice pour faire avancer le Spielweg. Voilà. Merci Alan. Et du coup, je vais faire une transition sur la suite et les prochaines étapes. Donc, je pense qu'on a pu le toucher du doigt. La valeur d'usage dans l'immobilier est un paramètre éminemment important et paradoxalement peu maîtrisé. Et c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui de lancer le hub vidéo. De quoi s'agit-il? En fait, nous vous proposons de rejoindre un groupe de travail pour que nous partagions ensemble une vision objective et une culture de la valeur d'usage. Donc, l'enjeu, ce sera que nous répondions collectivement aux grandes questions des directions immobilières du moment. Nous les avons posées tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de réflexions sur le coworking, sur le télétravail. On a des nouvelles tendances et on essaiera ensemble de se construire une vision objective et partagée de ces nouvelles tendances dans l'immobilier. Nous travaillerons aussi avec des outils scientifiques. Alan nous l'a expliqué de façon extrêmement pédagogique. On va utiliser des outils de mesure pour vraiment aller jusqu'à l'enjeu de pourcentage de productivité en fonction des différents paramètres et maîtriser au mieux l'ensemble des déterminants de performance de la valeur d'usage. Nous en profiterons pour construire ensemble l'équivalent d'un observatoire en faisant un benchmark de vos projets. Donc voilà l'ensemble des actions que nous vous proposons de faire dans le cadre de ce groupe de travail. C'est plus qu'un groupe de travail en fait, parce que l'objectif à terme est d'aller vers un véritable standard, un standard reconnu en Europe qui nous permettra de nous armer pour répondre aux grandes évolutions du monde de l'immobilier, des tendances extrêmement fortes qui ont été développées précédemment. Nous essaierons ensemble de répondre à la question de qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est plutôt du niveau d'une mode et qu'est-ce qui est une tendance forte avérée. Et l'objectif, ce sera que nous développions ensemble les outils, les indicateurs, la grammaire de la valeur d'usage pour être armés pour affronter les mutations à venir entre 2020 et 2030. Nous en profiterons aussi pour répondre à des questions de conception. On l'a vu tout à l'heure, concevoir à l'aune de la valeur d'usage, tenir compte de ce paramètre essentiel dans les choix programmatiques qui sont faits le plus tôt possible, dès l'APS. Hein, tout à l'heure, Corus nous a montré comment l'outil vidéo pouvait être utilisé pour comparer des bâtiments et faire des grandes orientations programmatives. Et puis évidemment, nous aurons l'occasion de faire une veille scientifique des différentes pratiques, l'objectif étant à terme d'aboutir à un véritable standard reconnu à l'échelle internationale. Si vous accédez au Hub Vibeo, vous disposez de l'outil digital. On n'a pas eu le temps de vous faire une démonstration, mais concrètement, c'est un outil accessible en ligne, 100% digital, et donc vous avez un accès totalement gratuit avec une formation et un accompagnement, évidemment, qui est fait. Alors, quel est le programme de travail? Nous vous proposons un programme de travail sur 2020 avec principalement une formation à la méthode et à l'outil. Nous réaliserons jusqu'à la fin de l'année une étude de contexte où nous parlerons de la valeur d'usage dans les immeubles de bureaux avec les pratiques traditionnelles versus le télétravail. Enfin, en tout cas, nous essaierons d'avoir une vision objective de toutes ces tendances et qui peuvent être des modes ou des futures tendances fortes. Nous réfléchirons ensemble à la vision horizon 2030 de ce qu'est la valeur d'usage avec un enjeu d'optimum coût versus service apporté. Et nous mènerons une campagne d'évaluation, un benchmark avec un rapport annuel. Voilà pour le programme de l'année 2020. 2021, nous poursuivrons nos campagnes de formation, évidemment, pour l'ensemble des membres du Hub. Et nous mènerons une nouvelle étude qui sera à définir par le comité de pilotage. Si vous rejoignez le Hub Vibeo, c'est un véritable conseil d'administration virtuel que vous rejoignez. Donc, nous construirons ensemble une vision des études que nous souhaitons mener. Nous continuerons nos campagnes d'évaluation avec l'enjeu de bâtir un référentiel à l'échelle internationale, un observatoire de la valeur d'usage. Nous vous proposerons aussi une journée nationale de la valeur d'usage de l'immobilier de bureau, voilà, qui deviendra un rituel, un rendez-vous clé dans le monde de l'immobilier pour parler de cette notion éminemment importante et sur laquelle nous vous proposons de bâtir ensemble un véritable référentiel. Quelques éléments de calendrier prévisionnel. Nous allons profiter de l'été pour boucler les pionniers du Hub Vibeo. Nous aurons des campagnes évidemment de formation. Nous travaillerons ensemble justement sur la vision de la valeur d'usage horizon 2030. Nous ferons cette étude de contexte sur la tendance bureau traditionnel versus télétravail. Nous débuterons le benchmark et rapport annuel.
Puis nous attaquerons le programme 2021 qui, vous l'avez compris, avec une étude que nous définirons ensemble et la première journée nationale de la valeur d'usage, horizon septembre 2021, vous l'avez bien saisi. Pour rejoindre le Hub IBO, nous vous proposons des frais de participation annuels avec évidemment un prorata temporis hein, sur la première année jusqu'à fin 2020, 6 000 € par an et par participant. Voilà, vous l'avez compris, c'est plus qu'un groupe de travail que nous vous proposons, c'est partager des tendances, c'est apprendre ensemble à parler de la valeur d'usage avec un outil scientifique et une ambition extrêmement forte puisque nous souhaitons à terme être pionniers dans la définition d'un référentiel qui sera national, voire international. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous laisse du coup mon adresse mail si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et au plaisir de nos prochaines collaborations sur la valeur d'usage. Avant de conclure, je remercie une énième fois nos intervenants qui nous ont permis de nourrir nos réflexions sur le sujet de la valeur d'usage. Je remercie aussi évidemment Alan Fustek pour sa grande pédagogie qui nous a aidé à mieux comprendre les enjeux associés à cet indicateur. Et nous arrivons à la fin du webinaire, donc je vous salue. Merci à tous et à très bientôt dans notre hub Vibéo. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Tout le monde, au revoir.